Bonsoir. Ce soir, j'aimerais faire suite à ma vidéo que j'avais faite sur John Dolan. En tout cas, j'en avais parlé. Tout d'abord, je vous avais introduit cette musique-là par Throw My Tears and Other Love Songs. Ça, c'est comme des pièces de lutte, mais avec la chanson, mettons, dedans, là, comme c'est chanté, puis du lutte. Or, ça avait piqué ma curiosité. Surtout Flow My Tears, la première pièce est quand même bonne, est comme festive, puis il y a des solos de lutte là-dessus, mais ça c'était le lutte de Dorothy Linnell. Puis, il y a la voix aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc c'est différent. C'est pas juste du lutte, c'est des love songs, c'est des chansons de lutte. Ça a piqué ma curiosité parce que John Dolan, il y avait un coffret de disques de sa musique de lutte complète. Voici la balle. Ça contient quatre disques. Ça, c'est Nigel North. Les disques en question, je sais pas si vous pouvez les voir. Le premier, le son. Le deuxième. Le troisième. Puis le quatrième. OK, chaque disque s'appelle, si je peux bien lire, si je suis capable de lire. Il faudrait que j'y sorte, pour vous montrer les titres. Le premier s'appelle Fancy, Dream and Spirit. C'est pas celui qui m'a marqué le plus à date. Il faudrait que je le réécoute. Ensuite, le deuxième lutte musique qui s'appelle Dolan Tears, les larmes de Dolan. Donc vraiment des pochettes cool avec un artwork de peinture de Renaissance, j'apprécie. L'effort. Ça commençait à être meilleur à partir du lutte musique numéro 2. J'ai remarqué peut-être le premier il est plus faible que mettons le restant des autres. Mais le premier, c'était une expérience qui commençait. Le deuxième, il s'accoutumait. Puis le troisième, puis le quatrième. C'est beaucoup plus fort, okay, mais ça, je vais en revenir là-dessus. Okay. Excusez-moi, j'ai de la misère à les sortir. Je ne veux pas abîmer mon coffret. Ici, j'ai Pavan, Gaillard et Allemand. Allemand. Ne pas confondre avec Allemand. Les Pavans, les Gaillards et les Allemands, c'est des sortes de musique avec un lutte. Que le monde dansait réellement sur ça, mettons, bien pacté sur la vingt.
Quoi dire de celui-là? J'irais dire que c'est un de mes préférés dans ce coffret de 4 disques. Nigel North, c'est quand même pas le dernier bleu. Il y en a qui l'ont critiqué parce que il y a toujours des meilleures versions, mais les meilleures versions sont pas nécessairement disponibles. Puis Naxos, c'est disponible. Puis j'encourage Naxos. Ensuite, j'ai le dernier CD de John Dolan, son dernier recueil de lutte, qui s'appelle The Queen's Gaillard, Lutte Musique numéro 4. Ils ont des belles pochettes, je pense. C'est invitant, c'est pour quelqu'un qui veut acheter un disque, mettons, ça peut le motiver à vouloir écouter cette musique-là. Ça, à date, je trouve que c'est son meilleur dans le lot des quatre. Ça, c'est le plus puissant, le lutte volume 4. On trouve des classiques qu'il y avait sur Flow My Tears and Other Lutte Songs, comme Again Sweet Love. Vous voyez, comme ça se sent la gueule comme pochette. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. J'espère que vous avez apprécié. Puis le lutte, c'est excellent. Je vais sûrement acheter d'autres disques avec du lutte parce que c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans la musique de la Renaissance. Plus que le clavecin, encore, je dirais. Merci. Hein.